Une nouvelle espèce de baleine dotée de quatre pattes, dévoilée en Égypte. C'est plus exactement son fossile que des paléontologues ont mis au jour dans le Fayoum au sud du Caire, une région autrefois recouverte d'une mer. Après plusieurs années d'enquête, des chercheurs égyptiens viennent de publier leurs conclusions. La baleine que nous avons nommée Fiumesetus anubis vivait il y a 43 millions d'années dans l'oasis du Fayoum. Sa longueur était d'environ 3 mètres pour un poids de 600 kg. Et c'était donc un des plus grands et des plus féroces prédateurs dans la région. Cette nouvelle espèce est importante car elle est amphibie avec 4 membres. Elle se situe donc à mi-chemin sur la chaîne évolutive des baleines. Une étude anatomique a démontré que cette nouvelle espèce était complètement différente de celle déjà connue. Son crâne et son museau allongé suggèrent qu'il s'agissait d'un carnivore très efficace. Elle pouvait marcher sur la terre, mais aurait également chassé dans l'eau. Il s'agit d'une découverte très importante, car elle permet de documenter l'un des chaînons manquants dans l'histoire de la baleine. C'était un animal terrestre qui est devenu, comme aujourd'hui, un mammifère entièrement aquatique. La nouvelle espèce s'inscrit dans une longue lignée des ancêtres de nos baleines actuelles. Elle a été classée dans la famille des protocétidés, des baleines semi-aquatiques qui vivaient il y a 59 à 34 millions d'années.